Ah, j'ai le soleil dans l'objectif. Il y a un problème. Bon, bah, c'est tant pis. Bah, mets-toi à genoux. Ouais. Super. Bonjour, c'est le pape François. Voilà. Bon, tout le monde a cru, non, bienvenue pour Carrette. Alors, aujourd'hui, est-ce que vous vous souvenez de... Tu vas rater mon démarrage. Ça pousse. Eh ben oui, c'est le poteau, c'est le cousin, c'est ce que tu veux, c'est la famille. Il est revenu aujourd'hui et il a changé de voiture. Parce qu'il a dû changer de voiture, puisque RIP, la Twingo, si tu ne regardes de là-haut. Bon, il est toujours chez le blason Renault, hein, et il s'est payé une petite Clio 2 Phase 2. Parce qu'il y a eu la Phase 1, il y a eu les Phase 1, la Phase 2 et la Phase 3. Donc on va commencer directement. Alors, Ichbin a une dieseliste au fond de mon cœur, mais c'est naissance. Donc, ça va aller. Que dire sur cette Clio? À part que bon, elle n'est pas nécessairement propre, mais de base, une voiture, si tu t'en sers, elle est sale. Surtout dans ces routes incroyables de campagne. Hein, ouais, et puis ma conduite aussi. Le rallye raid. Bon, alors, on est sur donc une Clio essence, comme je vous le disais. C'est le Hanic 4 16 valves, 16V, de 100 chevaux, enfin vendu comme 100 chevaux. En vérité, il en fait 98. Mais c'est 2 chevaux pour l'éco-participation au recyclage des déchets, hein, on va dire. Cette Clio, en fait, c'est une finition expression. C'est la phase 2. Et là, cet avant-là, avec les feux qui étaient voilà, triangulaires. Comme ça. Et donc c'est la phase 2, on les reconnaît bien parce que sur la phase 3, ils ont changé ici en dessous tout le bouclier ici en bas avec les feux de brouillard. T'avais une belle grille noire comme ça qui est installée, sauf que là tu vois c'est pareil comme ça. Et sur la phase 3 aussi, ils ont changé les petites grilles d'aération ici. Ah c'est chaud. Celle-là, ça fait des espèces de nids de frelons asiatiques si tu veux, jusqu'au logo Renault. Et sur la phase 3, en fait, ça fait juste des... C'est ouvert quoi, directement. T'as des lamelles comme ça et tout est ouvert. Donc ça c'est pour l'avant, vous voyez. Donc ça c'est très bien, c'est une finition expression. Et en fait à l'époque, c'était bien, c'est que Renault écrivait. Alors, il y a sur les Logan de 2011, ils écrivent la finition en fait sur la porte ici. Et là en fait dans la Clio 2 comme ça, là, phase 2, ils écrivaient la finition ici. À la boîte à gants, bon, on voit rien, mais bon, c'est magique. Hein. Expression. Aïe, merde. Expression. Voilà. C'est noté ici. Au cas où tu aurais oublié la finition de ta voiture. On fera l'intérieur juste après. Profil de la voiture, voilà. On va faire un peu l'arrière. Donc vous voyez sur la phase 2, il y avait ces phares là. Ils ont été remaniés par rapport à la phase 1. Le losange Renault qui est arrivé au niveau de l'ouverture de coffre. Hein. D'ailleurs, capacité du coffre juste ici. Alors c'est pas grave, hein, mais c'est pas les enjoliveurs d'origine. Hein. Ceux d'origine sont partis. Encore une fois, hein, respect les enjoliveurs d'origine si vous nous regardez de là-haut. Alors bon, le coffre, rien d'extraordinaire. Vous en avez vu la capacité. Donc on ouvre avec le bouton qui est ici. Par exemple sur ma Mégane, sur le losange, moi j'ai un caoutchouc et c'est pour V. La voiture en fait, si vous voulez, quand la carte est dans le périmètre de la voiture, si t'appuies dessus, ça verrouille les portes en fait, tout simplement. Bon, là c'est pour ouvrir le coffre. Bon, voilà un coffre un classique hein, pour ranger, je sais pas, des bagages, bien du shit, comme tu veux. Voilà, plastique. On va éviter de taper trop parce qu'à mon avis, il manque une paire de vis. C'est des clips, c'est des clips quand tu les démontes. Très bien, ils sont fragiles en fait. Bah, c'est une voiture qui a quand même vécu, qui a roulé. Hein. Un petit détail sur ces Clio 2, alors c'est pas que ça me fait kiffer, je vais pas me branler dessus, mais l'échappement en fait il est bien planqué là en dessous, derrière, là on le voit là, voilà. Mais en fait quand t'es debout tu le vois pas. Et ça, sur les diesels, je prends l'exemple de ma tante qui en avait une en version DTI, moteur de merde. Là, cet endroit là, sur un périmètre de 3 cm, c'était noir. Voilà, en plus elle l'avait en blanche. Normalement l'échappement il est plus haut aussi. Ah ouais, c'est vrai que... Et voilà, bah, petit détail, des cylindre blocks sont morts, donc l'échappement pend un petit peu. Normalement il est bien planqué. On le voit un peu, ouais, voilà, ça se balade. Hein. Bon, c'est normal, tout est normal. Voilà, le contrôle technique passe. Bon, l'autre côté, hein, il manque un enjoliveur, très bien. Et on a le rappel du 1 litre 4 16V juste ici. Voilà, si c'était une DCI 1 litre 5, ça aurait été marqué DCI ou 1 litre 5 DCI. On va regarder rapidement donc le moté, le diagramme, hein, le moté. Bah, M-O-T-E-R, moté. Je vois pas où le problème. Voilà. Ça, c'est des petits bruits de porte, mais c'est classique, hein, c'est normal. Faut pas s'inquiéter, c'est Renault, ça fait quelques bruits, ça marche. Alors, on ouvre ici. Ah oui, d'accord. Ok, comme ça. Voilà. Donc, le petit 1 litre 4. Voilà, classique essence avec les 4 bougies dessus. On a quand même, c'est bien, on a quand même assez de place pour faire l'entretien. Tout ce qui est... Sinon. D'accord. Pardon.
la barre, forcément, c'est pas des vérins, hein, c'est à l'ancienne. Mais ça marche. Donc, tac, petit moté. Incroyable, le filtre à huile est juste en dessous là-bas, planqué, alterno, courroie. Il y a du bon matos à piquer ici. Hein. Et tout ce qui s'ensuit, voilà, il est assez propre. Pas trop de soucis. Ça marche bien. Et ça fait le job. Je vous rappelle, c'est le 1.4 16V de 100 chevaux, vendu comme 100 chevaux, mais il en fait 98 à, je sais plus, 5000 tours minute et des conneries là. Parce qu'il y a toujours ce truc de savoir, est-ce qu'on claque un capot, est-ce qu'on le pose et on appuie dessus, ce truc, on claque, je suis désolé. Les capots complets comme là, faut les claquer, mais les demi-capots, tu peux les appuyer dessus. Voilà. Voilà, tu peux appuyer dessus, mais tu risques de le déformer. On a appris des choses. Voilà pour l'extérieur, on a rapidement fait le tour. Je vous montre un petit peu la sellerie, sellerie tissus. Hein, tout ce qu'il y a de plus classique, sellerie tissus avec voilà, le petit tissus sur les portes. Voilà, vitre électrique, hein, bien sûr. Le verrouillage et déverrouillage de l'airbag passager qui est ici au-dessus. Ça, c'est classique, les sièges, hein, voyez-vous. Voilà, ça marche très bien. Et l'arrière, voilà, ben, c'est pareil. Un peu de tissu, du tissus, les bonnes banquettes qui marchent bien. Légendaire Clio 2, et voilà, et ça marche bien, et c'est nickel. Ciel de toit, pareil, qui est encore classique, et puis les petites poignées, hop là, les petites, voilà, les petites poignées, voilà. Qu'on va pouvoir passer rapidement hop, à l'intérieur de la voiture, je vais vous faire voir un tout petit peu rapidement. Planche de bord qui, à l'époque, était faite en, c'est du plastique thermogéné, pour ceux qui veulent savoir. Donc tout ici, toute la planche de bord est en thermogéné. Donc on est sur du biton, ici c'est beige et noir. On a toute la console centrale avec l'écran de l'autoradio. Un petit rangement là-bas au-dessus. Si t'as un chewing-gum à mâcher, tu le mets là, voilà, tu fais ce que tu veux, hein. C'est comme tu veux. Ici un petit bac, les petits aérateurs, les commandes de verrouillage, etc., etc. Autoradio qui a été changé. Un petit allume-cigare et un petit rangement ici que je vais laisser. Boîte 5. Boîte 5 qui, sur ce modèle-là, précisément, a dû être changée, mais la troisième gratte toujours un petit peu. C'est à 2. Ouais. Ah, c'est à 2. D'accord, bah, je raconte des conneries, tu vois bien. Le petit volant de la 2 phase 2. Voyez-vous, avec le klaxon ici au milieu. C'est pas grave. Ça, c'est passé un détail. Ça. C'est pas grave. C'est le Komodo de l'autoradio, mais c'est rien. Ça. C'est tout va bien. C'est un modèle unique. C'est bon, dites rien, c'est bon. Tableau de bord, alors voyez-vous, ça c'est les comment dire, j'ai envie de dire, c'est les premiers tableaux de bord entre guillemets de la phase 2, de la 2 phase 2. Donc en fait, là c'était encore des aiguilles classiques pour la jauge de chauffe et ta jauge de gasoil. Sur les modèles d'après, surtout en phase 3, ici en fait, t'avais un écran, t'avais un peu moins de voyants ici et t'avais un écran digital ici avec les trucs rappelés. Regardez, on va rapidement mettre un petit coup de contact juste pour voir ce que ça donne, vous voyez. Voilà, avec le fameux oil hockey qui est censé te dire si te manque de l'huile. Moi, ça me rappelle de bons souvenirs avec la tante à l'époque en 2005, quand elle avait sa Clio. Ça, c'est pas mal. Voilà, les petites clés, hein. Tout est classique. Voilà, messieurs, dames, on va pouvoir passer un petit peu à la partie conduite, voir un peu ce que le 100 chevaux donne sur la route. Enfin, hein, 100 chevaux à la cage. Elle est de 2001. Et 2001, donc elle a, voilà, elle a 19 ans, c'est une voiture qui a 19 ans. Et franchement, 19 ans, bon, à part quelques petits soucis mineurs qui n'engagent pas la responsabilité du fonctionnement. L'écran de l'autoradio, il y a des branchés aussi. Ah oui, du coup, il y a un autoradio comme ça avec déjà un écran dessus. Non, c'est pas ça, c'est qu'il est cassé. Et quand tu changes l'autoradio, en fait, les commandes au volant, tu les perds. Ouais. Donc moi, elles étaient cassées, je l'ai enlevé aussi. Ouais. Et l'écran, il était cassé, clignoté, alors du coup, je l'ai enlevé. Et normalement, il affiche plus que la température. La température est là, je crois. Ok. Bon, après, c'est vrai que ça se change, mais bon, après, c'est pas magnifique. Si, bah oui. Donc, c'est vrai que ça aussi, si ça sert à rien. Voilà, messieurs, dames. Bah écoutez, on va partir sur la route. Je vais foutre la GoPro sur le pare-brise. Comme ça, on verra plus rien. C'est incroyable. Et puis, on va aller voir ça rapidement. Et les portes, comment tu les claques? Tu les claques ou tu les superposes et t'appuies dessus après? Alors, on a oublié un petit truc, c'est que, en fait, elle a les feux de brouillard, mais sur le Komodo, il n'y a que les feux de brouillard arrière qui sont juste ici. Il n'y a que les feux de brouillard arrière, donc comment on fait pour les feux de brouillard avant? Bah, système D, qu'est-ce qui se passe? Un petit interrupteur 01, puis ça passe. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le problème en vrai? Qu'est-ce que vous critiquez? Vous critiquez pas la Clio 2, vous arrêtez? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Vous ne critiquez pas la Clio 2. Il y a un interrupteur, ça marche. Faut arrêter de triquiter. Bah, faut arrêter de triquiter comme ça, les bandes de connards. Chais. Bien. T'inquiète, ce sera coupé au montage. Bon, nous voilà dans la Clio. Il y a du soleil et des nanas aujourd'hui, hein, il fait chaud. Putain, quelle expression. Alors, bah écoutez,
c'est la Clio 2. C'est-à-dire telle que je l'ai connue à l'époque de ma tante. C'est familial le truc, c'est un héritage familial. Quoi. Là, c'est la motorisation essence. Écoutez, pour l'instant, on est sur des routes de campagne, hein, déjà, étant donné que nous sommes des campagnards et fiers de l'être. Écoutez, ma foi, ça roule pas mal, tout ce qui est petits trous, bosses, tout ça. On a une filtration qui est plutôt... On va pas se plaindre, on va dire. On va pas se plaindre, on est correctement installé dans le siège. Après, tout est affaire de toutes les histoires de réglage. Mais bon, on est plutôt bien installé. Cela dit, tu feras peut-être pas un genre Paris-Le Mans avec une Clio 2. Ça va être un peu... Alors, là, il y a aussi un petit truc légendaire de la Clio. C'est le clignotant. Si on entend la vidéo, je suis extrêmement fier. Pardon. Et c'est pareil, ça fait partie de l'héritage de la Clio. Ça m'a bercé pendant longtemps avec la fameuse Clio de la tante. Il y avait encore ça sur les Renault Trafic jusqu'à un certain moment. Je sais pas s'ils le font encore aujourd'hui. Mais... Bon, donc pour l'instant, voilà, on est sur des routes, de ville, de village, etc. Donc bon, pour pousser, c'est un peu compliqué. On va pousser un petit peu juste là-bas parce qu'elle est censée avoir 100 chevaux. Le couple du moteur, le brossage, je l'ai plus en tête. Donc je suis en troisième, on est à pour l'instant 45-46 km/h parce que je suis un pépé, je ne mange pas. Et là, normalement, on est sorti d'un lot. Donc, ben, en théorie. Là, j'avais lâché l'accélérateur quand même. Ouais, ça avance hein, quand même. Elle a de l'énergie en avant. Ça fait plaisir. C'est pas non plus un foudre de guerre, hein. On n'est pas dans une Ferrari Testarossa. 12 cylindres à plate complètement, tu vois, on n'est pas là dedans, tu vois, on est dans une Clio essence, mais elle a la joie de vivre, la Clio. On va juste aller se prendre un petit morceau de rocade, voir un petit peu l'insertion sur rocade, ce que ça donne. Voilà, ça devrait pas être trop mal, et puis ensuite on sera bon, on aura fait un petit peu tout ce qu'il faut. Là tu vois, la 2, je l'ai passé. Ah ouais, bah après ça dépend, des fois le gratte, des fois non. C'est dangereux de vous mettre sur la route avec moi sur la route en même temps avec une voiture, c'est dangereux, on s'en fout les gens. Mais un conseil, ne faites pas ça chez vous, hein. Ne vous mettez jamais au milieu de la route à pied quand je suis en bagnole sur la route, ne faites jamais ça. L'entrée, c'est pas parce que j'ai alors, pas le permis que je sais pas conduire. On a un Nissan NV200 devant nous. Tu vois. J'y avance pas, peut-être un DCI, c'est sûr. Après, tu peux pousser à 6000 hein, si tu veux. Donc là, on va. Bon, en 4ème, peut-être pas parce que tu vas être à 160, mais. Pour cette Clio 2, en occasion, ça peut être une très bonne voiture pour démarrer, une petite Clio 2 comme ça. Diesel ou essence, ça c'est vous qui décidez, et je crois qu'elle nous fait le coup avec la direction là dont tu m'avais parlé. Ouais. Donc bon, ça va aller. Donc je vous rappelle ici, donc c'était motorisation essence 100 chevaux. En diesel, on pouvait aussi avoir jusqu'à une centaine de chevaux. 100 chevaux, par contre elle sort 200 Nm parce que la boîte de vitesse n'est pas capable d'encaisser, donc elle est bridée. Voilà, on a des petites infos au passage à prendre. C'est et en reprog, elle fait 130 ou 160, je sais plus. 130, je crois. Donc voilà, c'est vous qui décidez, diesel ou essence, hein, après tout, c'est une Clio. Moi, j'ai fini, je vais rentrer chez moi faire le montage de cette vidéo, surtout que j'en ai une deuxième à tourner cet après-midi, c'est le merde. Ah, c'est pour ça que tu m'as proposé. Ouais, ça aurait pu être n'importe quand. Parce que j'ai d'autres idées et il faut que je les fasse, parce que sinon, j'oublie. Ouais. Oh ouais, putain, il n'y a plus de direction assistée. Ouais, mais parce que t'habitues à ton petit luxe, là. Moi, j'ai aucun souci de vous laisser en direction assistée. D'ailleurs, si tu veux, on peut même la débrancher. Et là, par contre, c'est l'enfer. Alors, parce que là, t'en as encore un peu. Voilà, messieurs, dames, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne matinée. Tout dépend quand est-ce que vous avez regardé cette vidéo. Hein, je suis pas à votre place. Quoique, tu sais, je peux venir par le RJ45, comme ça, je rentre dans ton PC, puis je flingue tout. Comme ça, bon. Tu dis pas, c'est... Je dis pas, c'est faux, oh, bah le PC il marche plus, c'est pas. Tchou!